Crazy, set my heart in motion. The way you smile for a lady, je veux que tu know que je t'aime. Il me manque de mots pour te dire je t'aime. If you ask me a question, boy, I give you the answer. Attendu que je vous fasse so long, so you remember. Mais est-ce que tu know que je t'aime? Il me manque de mots pour te dire je t'aime. Cette fois je suis calé, oh, je suis calé. Hélas je suis calé, oh, je suis calé. Le galant me tue avec son regard, je suis calé. Les risques, conséquences, je m'en fous, je suis calé. Façon tu me touches, façon tu me Les époux s'obligent à la communauté de vie, qui se voit naturellement
fidélité, se prouver à distance. Article 51, la famille est gérée conjointement par les époux, dans l'intérêt du ménage et des enfants. Nous assurons ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoir l'éducation des enfants et prévoir la maison. Je vous invite de sa contribution sur les ressources dont il a l'administration ou par son activité au foyer. Je vous invite de pas de sa contribution sur les ressources dont il a l'administration, d'autres pour que obtenir par ordonnance du président du tribunal du milieu de résidence l'autorisation de procéder à la saisie des salaires. Dans la proportion des besoins du ménage, une partie du salaire, du produit du travail pour les revenus de son conjoint. Article 56. Le domicile de la famille est choisi bien comme un accord par les époux. En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le tribunal. Monsieur Ange Radimal, consentez-vous à prendre épouse mademoiselle Claude pour l'aide de la organisation du présent? Ils ont déclaré
se tendre pour vous. Et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage en présence de Madame Fatoumata Sabadogo, fleuriste, domiciliée à Abidjan, Corboué, et de Marc-Edouard Zachary Dogo, ingénieur génie civil, domicilié à Abidjan, Massy, tous deux témoins majeurs. Lecture faite, nous allons signer avec les époux et les témoins. On applaudit très fort.
Ciao, pour le monde. Il est bleu, hein? Elle est mieux, quoi. Cette fois-ci, le temps est gravement menacé. C'est la bénédiction. Bébé, quand tu as mal, j'ai mal aussi. Quand tu te sens piqué, bébé, je suis blessé. Si des choses te tracassent, tu peux m'en parler. Tu sais qu'entre nous deux là, ça peut réchauffer. Oh mon amour, oh mon bijou, quel que soit le coup pour toi, je suis prêt à tout. Oh mon bébé, c'est toi ma moitié, pour toi je veux chanter. Tu es moi à côté. Quand tu es touché, je suis touché, oh, oh, oh. Bébé, ce que tu vis, c'est aussi ce que je vis, oh. Quand tu es touché, je suis touché, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Aujourd'hui, si nous sommes réunis ici, c'est pour le mariage de notre frère
parlant et le peu moyen dans une tapée. Nous voudrions saluer toute la famille Malan et toute la famille Tabé ici présente. Nous excusons pour le timing, pour le temps qui a été pris, mais les bonnes choses durent toujours. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons passer à la bénédiction musicale qui sera faite par le révérend apôtre Pascal Ako, ici présent. Nous saluons le révérend, son éminence, nous saluons. Nous saluons son éminence qui est présente ici avec son épouse, madame Ako. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Alors vous savez, révérend, vous avez toute la place. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui a prêté le temps pour Ange Patrick et Claude Corel Naomi. Et c'est pour eux que nous sommes là. Alors, nous savons déjà, les dispositions sont déjà là. La fête a déjà commencé. Je voudrais vous inviter à faire juste un break. Parce que quand on parle de bénédiction nuptiale, l'affaire est très sérieuse. Pour moi, l'affaire est très sérieuse. Parce que le mariage est une institution divine. Et nous tous, le souffle que nous avons vient de Dieu. On pourrait dire qu'on a pris du temps. Et donc, on va aller directement mettre des alliances. Mais vous savez, toute chose a ses principes, a des règles. Et même à la mairie, on n'a pas posé directement la question. Madame le maire a lu les textes de loi. Amen. Je dis amen. Alors, nous sommes dans la présence de Dieu. Il est important aussi que les principes du royaume soient respectés en la matière. Donc soyez indulgents. Je sais que tout ce qui concerne Dieu, les gens trouvent que c'est long. Les autres peuvent durer, mais pour Dieu leur dit c'est long. Prenez le temps d'écouter. Et je sais que Dieu a une parole pour chacun de nous. Les mariés, quant à eux, ils ont été déjà préparés. Ils ont été préparés pour arriver à là. Alors bien aimé, nous allons nous tenir debout et recommander ces instants à notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te disons merci. Toi qui as arrêté le temps ce jour, Seigneur, du 18 novembre 2023, pour prendre Patrick et pour Claude, Aurèle, Naomi, nous te disons merci, Seigneur, pour les parents qui se sont donc accordés pour que cette cérémonie. Seigneur, comme au nord de Cana en Galilée, nous ne doutons pas du tout de ta présence. Que ta grâce et que ta faveur nous soient accordées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Écoutez le conseil de Dieu que nous trouvons dans Matthieu, chapitre 9. Et comme je le disais tantôt, si pendant ce moment on peut faire le moins possible de déplacements, ça va nous aider. Que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père. Voilà donc les pharisiens, encore une fois, viennent éprouver le Seigneur Jésus-Christ en lui demandant est-ce qu'il est possible de répudier sa femme. Il précise que la loi leur donne le droit de pouvoir répudier la femme. Et le Seigneur va leur dire, si Moïse a écrit cela dans la loi, c'est rien d'autre. Au commencement, il n'en était pas ainsi. On ne parlait même pas de répudier une femme. Mais si Moïse a cédé à cela, mais c'est à cause de quoi? La dureté de votre cœur. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Parce que votre cœur est dur.
C'est pourquoi Moïse vous a permis en cas d'adultère. Mais au commencement, et nous nous souvenons, parce que nous regardons un peu en toutes choses, il faut pouvoir voir comment la chose a commencé. Même quand tu rencontres une parole dans la Bible, essaie de voir la première mention de cette parole. Ça va beaucoup t'aider. Vous voyez, quand Dieu a créé Adam, la Bible dit, il a pris une corde d'Adam pour faire Ève. Et ce qui m'intéresse, si vous suivez bien la Bible dit que Dieu prit la femme et l'amena vers l'homme. Quand vous lisez bien, regardez, il y a une notion de distance. On se rend compte que ce n'est pas là où Adam était couché, il a fait la femme. Parce qu'il y a une notion de distance, il l'a amené vers Adam. Regardez, donc dans cette distance-là, où Dieu a pris la femme pour l'amener vers Adam, croyez-vous que ce Dieu qui a créé la bouche, ce Dieu qui a créé l'oreille, n'a-t-il pas conversé avec la femme? Dieu n'a-t-il pas parlé à la femme pendant qu'il l'amenait vers l'homme? Je voulais dire aux hommes de Dieu et à nous tous qui sommes ici, frères et sœurs, il est important, il est très important d'écouter sa femme. Et surtout pour nous les hommes de Dieu, il y a des choses que Dieu veut te communiquer. Il ne te le dira pas directement, il va passer par ta femme. Parce qu'il y a comme, on le dit à Abidjan, ce deal entre la femme et Dieu. Et le commandement dit, ce que femme veut, ça vient de loin. Mais nous ici, on va dire, il ne faut pas écouter ta femme. Un homme normal ne doit pas écouter sa femme. Et c'est pourquoi il y a plein de problèmes dans les foyers, dans les couples. Je vous assure, la femme est les détails. Elle voit les petits détails que l'homme ne peut voir. L'homme, lui, c'est les projets, c'est la grandeur. Mais les petites choses, hein. Quand on était dans le monde, je viens avec des amis parce que moi, la fête, j'aime la fête, recevoir les gens. Après, ma femme m'appelle, parmi tes amis, celui-là. Est dur à l'égard de sa femme. Si quelqu'un est prompt à faire de la méchanceté, quand Adam a vu Ève, est-ce que vous vous souvenez comment il s'est extasié cette fois-ci? Donc, frères et sœurs, quand on se met ensemble, la Bible dit celui qui trouve une femme trouve quoi? Il trouve le bonheur. Mais la Bible précise, parce que le verset continue, c'est une grâce, une femme selon Dieu. La Bible dit, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça veut dire que là où tu peux obtenir une femme selon Dieu pour faire ton bonheur, cette adresse est où? Avec Dieu. Donc cela veut dire quoi? C'est dans la prière. C'est dans la prière. C'est pas sur Facebook. Parce que si c'est sous Facebook, Facebook va diriger ton foyer. Pendant qu'il priait, les gens sont fait baptiser, est-ce qu'ils ont prié? Mais lui, pendant qu'il priait, il s'est passé trois choses. Un, le ciel s'ouvrit. Deux, l'esprit descendu sur lui sous une forme corporelle, sous la forme d'une colombe. Et trois, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc quand tu pries, bien-aimé, quand tu pries, il y a trois choses. Le ciel s'ouvre. Quand vous allez vous mettre à prier à deux, quelle que soit la situation, le ciel va s'ouvrir. Et quand le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire dans toute la vérité est là. Et quand le Saint-Esprit est là, alors tu vas entendre la voix de Dieu. Je vous engage à une vie de prière. Alléluia. À une vie de prière. Amen. Il faut réjouir son cœur. Il faut réjouir son cœur. Là, il sait qu'il est, que Dieu l'a béni, qu'il a trouvé le bonheur.
rentrant. Toi, tu as un petit paquet, même si c'est biscuit de 50 francs, et puis tu as emballé et que tu donnes à ta femme. Elle sent qu'elle existe. Elle sent qu'elle est importante. Mais il y a des hommes là, c'est dehors, ils sont gentils. Allez, tout le monde doit être là. La chérie aussi, elle est bête. Amen. Là où les mamans, accueillez vos maris quand ils arrivent du travail. Pourquoi ne mettre pas ici? Il faut te. Voilà, il faut t'apprêter. Accueille ton père. C'est ton père. Alléluia. Amen. Je vous dis, banane. Qui connaît plutôt banane? C'est un mélange de banane et de manioc. On appelle ça foutu. La banane, c'est l'homme. Le manioc, c'est la femme. Les deux mélangés, on appelle ça foutu banane. Parce que l'homme est le chef de la femme. Maintenant, regardez bien. Quand les femmes peuvent nous dire, quand tu as une bonne banane, et puis le manioc est mauvais, ton foutu est comment? C'est la réalité. Tu as une bonne banane. Si le manioc n'est pas bon, ton foutu n'est pas bon. En d'autres termes. Amen. Maintenant, alléluia. Quand, même quand la banane n'est pas bonne et que le manioc est bon, le foutu est toujours bon. Amen. Donc qui fait le foyer? C'est la banane. On attend le Seigneur. Une maison est tenue par la femme. Le manioc. Alors quand la banane est bonne, et puis le manioc est bon, le foutu est excellent. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et je crois qu'il en sera ici, devant ma fille, et pour la ma fille. Alléluia, ce n'est pas compliqué. Que l'homme ne sait pas ce que Dieu a fait. Que le Seigneur vous bénisse, et que sa voix soit pour vous. Alléluia. Révérend, nous te remercions. Venez vous placer devant ici. Vous pouvez demander au serviteur de Dieu présent de se tenir debout, de venir à côté de l'apôtre. Le révérend évangéliste qui a peur, son ami. Les champions obtiennent les alliances. Les alliances. Ça y est là. Bien-aimés, nous allons procéder à la bénédiction. Nous allons poser des questions comme cela s'est passé aussi à la mairie. Mais bien-aimés, vous tous qui êtes ici présents, nous sommes réunis en présence de Dieu et de cette assemblée que nous formons pour unir ensemble cet homme et cette femme dans le saint mariage que l'apôtre Paul recommande comme un état honorable entre tous. C'est pourquoi l'on ne doit pas s'y engager avec impudence. La discrétion, la réflexion, la tempérance et la crainte de Dieu. Ces deux personnes ici présentes désirent former entre elles cette sainte union. Si parmi vous quelqu'un il y a quelqu'un qui connaît faire un empêchement parce que cette personne soit légitimement mariée ensemble, qu'ils le disent maintenant. Ou qui se. On peut continuer? Ah oui? On peut continuer? D'accord. Alors, monsieur Malon Ange Patrick, voulez-vous prendre cette femme comme épouse et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état de mariage? Voulez-vous l'aimer,
la chérir, l'honorer et la garder en temps de maladie et en temps de santé. Et renonçant à toute autre femme, voulez-vous vous attacher à elle seule tant que vous venez les deux? Oui! Ça, c'est une autodite. Alléluia! Alors, s'il vous plaît, nous gardons le silence, c'est un moment solennel. Nous écoutons son éminence, le Réunion, qui va continuer. Claude Aurel Naomi Tapé, voulez-vous prendre ce temps comme époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le sein état du mariage? Voulez-vous lui obéir, le servir, l'aimer, l'honorer et le garder en temps de maladie et en temps de santé? Et renonçant à tout autre homme, voulez-vous vous attacher à lui seul tant que vous voulez tous les deux? Oui, je le veux. Nous devons toi, Claude Aurel Naomi Tapé, je te prends toi, Claude Aurel Naomi Tapé, comme ma femme et épouse, comme ma femme et épouse, pour t'avoir et te garder, pour t'avoir et te garder, à partir de ce jour et à l'avenir, à partir de ce jour et à l'avenir, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse ou la pauvreté, dans la richesse ou la pauvreté, dans la santé ou la maladie, dans la santé ou la maladie, pour t'aimer, pour t'aimer et te chérir, et te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare, jusqu'à ce que la mort nous sépare, selon la sainte ordonnance de Dieu, selon la sainte ordonnance de Dieu. J'en fais le sel, j'en fais le sel. Amen. On va acclamer le Seigneur. Alors moi pour Claude Aurel Naomi Tapé, te prends toi, Ange Patrick Malon. Comme mon mari et époux. Comme mon mari et époux. Pour t'avoir et te garder. Pour t'avoir et te garder. À partir de ce jour et à l'avenir. À partir de ce jour et à la vie. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse ou la pauvreté. Dans la richesse ou la pauvreté. Dans la santé ou la maladie. Dans la santé ou la maladie. Pour t'aimer. Pour t'aimer et te chérir, et te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare, jusqu'à ce que la mort nous sépare, selon la sainte ordonnance de Dieu, selon la sainte ordonnance de Dieu. J'en fais le serment, j'en fais le serment. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous passons maintenant aux échanges des anneaux, et je voudrais que à ce stade-là chacun donne l'anneau c'est propre pour nous, ce qui vient du cœur. Peut-être qu'il y a un petit nom qu'on ne connaît pas. Ce soir, ça va sortir. Alors tu diras ce petit nom dans ton flambeau et je te donne cette alliance. Comme tu peux chanter un cantique, tu peux. Et un poète, Ange Patrick, un poète. Alléluia! Alors, donc, dans les alliances, je vais demander à voir pour les consacrer. Père, nous voulons te dire merci pour ce temps favorable que tu as permis. Nous portons vers toi ces anneaux, sanctifie-les et fais en sorte que, Seigneur, aucun acte humain ne puisse, Seigneur, faire sortir ces anneaux, Seigneur, des doigts de tes enfants que nous unissons aujourd'hui dans un lien de mariage indissoluble et durable. Te disons merci de ce que ces anneaux-là sont sanctifiés et que tout soit dirigé, conduit, fait par ton esprit jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est à Ange Patrick de passer l'anneau, comme je le dis, dans tes propres mots. Alléluia. Soyez très attentifs. On lui donne sa main gauche. Amen. Dieu est pour moi un pilier. Je suis un pilier. Je vais aussi pour mon papa.
tu es ma force. Tu me donnes la force de me lever chaque matin. Tu me donnes la force de travailler dur et de rentrer même très tard. Je te dis merci pour tout ce que tu m'apportes comme bonheur chaque jour. J'ai le plaisir de te voir chaque jour. J'ai le plaisir de me réveiller avec toi chaque jour. Et devant Dieu maintenant, tu es mon épouse pour la vie. Je lui souhaite grande vie dans le bonheur. Je t'aime. C'est toujours le nom de la vie de passer la nuit à son mari. Bon. Le point de l'éternel. Mon point de l'éternel. Selon le cœur de Dieu pour moi. Je te dis merci pour tout. Tu m'as prouvé que tu es un homme sage. Avec ton jeune âge, tu m'as montré que tu es un homme merveilleux. Tu m'as pris tel que j'étais et je suis en femme devant tout le monde. Je remercie à Dieu pour ta vie, qu'il te bénisse davantage, qu'il t'élève encore davantage. Tu es un homme que je veux. Seigneur, c'est ton nom, je te dis merci, je t'aime tout noblement. Alors, vous allez vous aider à se mettre à genoux, les hommes de Dieu. S'il y a des hommes de Dieu dans la salle, peuvent approcher ensemble. Nous allons donc les recommander au Seigneur. Seigneur, c'est de toi que toute famille tire son nom, la famille Valentine, son nom. Je prie que tout ce qui peut être entrave à l'accomplissement de leur destinée, ô Seigneur, mort de la poussière désormais, au nom de Jésus-Christ. Ô que le sang de l'aspersion, le sang de Jésus, le sang qui parle mieux que celui de la veille, soit leur portion, soit leur partage, et que le sang de Jésus parle en faveur de leur bonheur, de leur. Ou Seigneur, de leur prospérité à tous égards, et que ça ne sait pas ce que tu as uni. Suite à cette prédication, suite à ces conseils à nos enfants, devant Dieu, devant les sorts, prions Seigneur, et nous plongeons ce coup dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te demandons que toute agression physique, spirituelle, contre ses enfants, Seigneur, dans leur foyer, que ces agressions soient vouées à l'échec au nom de Jésus. Nous te demandons que, Seigneur, cette parole qui a été scellée ce soir, que cette parole, Seigneur, notre Dieu, soit le sort de leur foyer. Éternel, le foyer, c'est là où il y a le feu de foi. Mais nous te prions afin que le troisième pied, qui est Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, ô Père, leur accorde la sagesse, l'intelligence et le pardon, afin que leur foyer arrive à bon port, jusqu'à ton glorieux retour. Que tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est stérilité, tout ce qui est attaque sorcellerie contre leur vie, cela soit vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit un couple exemplaire. Seigneur notre Dieu, que l'homme soit le chef de la famille, comme tu l'as dit. Que la femme, Seigneur notre Dieu, soit, joue son rôle qu'il faut, afin que, Seigneur, les enfants grandissent, Seigneur notre Dieu, dans une bonne éducation. Nous te prions que tu leur ouvres des portes de grâce, des portes de bénédiction. Que la joie, la paix, le bonheur de l'homme en point au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions que eux aussi soient, Seigneur, notre Dieu, des conseils de notre jeune couple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous voulons que rendre toute la gloire. Bénis ce couple, Seigneur, notre Dieu, dans leur foyer, jusqu'à ton glorieux retour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.
la base de vos déclarations et par la bénédiction, je vous déclare maintenant mari et femme au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Alors, Ange Patrick, pour nous, tout ce qui s'est fait dehors n'était pas officiel. Tu vas donner ton premier baiser officiel à ta femme. On y va. Oui, à la mairie, tu allais trop vite. Là, tu vas à prestance. Alléluia. Voilà, Ange, continue-toi, vas-y. S'il vous plaît, c'est un moment très important, en cas de silence. Alléluia. Alors merci monsieur et madame Malan, vous le montrez aux dames maintenant. Alléluia. Que la grâce et la faveur de notre Dieu repose sur vous abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons enchaîner, donner. Voilà, la Bible. Alors, Alléluia. Alléluia. On peut prêter une attention particulière. S'il vous plaît. Nous demandons un peu de silence dans la salle. Il y a son éminence qui va adresser quelques conseils. C'est une réplique familiale. Est très importante. Vous êtes au travail, mais au moins, prenez un jour, une fois dans la semaine pour organiser une étude publique hebdomadaire familiale. En tant que chef de famille, il faut piloter cela. Il faut piloter cela. Vous préparez un sermon, un message, ce dimanche ou bien un autre dimanche, elle, vous lui donnez l'opportunité de préparer un message. Vous, vous devenez modérateur, vous dirigez, elle va présider, elle va prêcher, et ainsi de suite, pour que votre enfant, vos enfants la grandissent dans ce contexte-là. Là, c'est bon. Nous sommes face à des mutations très profondes aujourd'hui. Notre environnement, donc, sans la Bible, sans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et à chaque fois que vous allez avoir une situation, vous allez vous trouver face à un défi, revenez-vous à la parole de Dieu. Tout est à l'intérieur. N'allez pas vers les hommes. Les hommes ne vous donneront rien. C'est la parole de Dieu là qui vous donnera quelque chose. Réglez tout à la maison, entre vous, sur la base de la parole de Dieu. Tous les petits différents, les défis, ne sortez pas avec ça. Prenez cette Bible. Ce ne sont pas des milliards billets à l'équipe que nous offrons aujourd'hui. Mais ça, c'est plus que milliards. C'est un guide. Ça va vous orienter dans les moments difficiles. La joie est éphémère. Sans la parole de Dieu. Vous savez ça, en tant que chef de famille, il faut conduire ta maison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous assiste, que vous donne de réussite dans toutes vos entreprises et qu'il confonde tous ceux qui vont venir se mettre en travers de votre vie conjugale. Devenez bénis. Chef de famille, voici. Faites un bon usage. La table du Seigneur, alors, quand tu vous la donnes, les cœurs ouverts, qu'elle ne soit pas fermée. Parce qu'il y a un jeune aussi qui s'est marié et le parrain lui a offert une Bible.
un mois plus tard, il est revenu voir le parrain, que le parrain s'avance sur nous, il parle à nous. Le parrain dit, est-ce que tu as lu la Bible? Il dit, que si tu peux ouvrir la Bible? Il dit, oui, on fait étude biblique comme sur les conseils du pasteur. Le parrain n'a rien dit, il est revenu encore. Le parrain dit, tu es sûr que tu lis ta Bible? Il dit, oui. Le parrain allait à la maison chez lui là-bas. Il prend la Bible qu'il a offerte, il lit et il ouvre à la page de le psaume 23. Or, il a mis un chèque de 500 000 dinars pour lui, pour le coup. Mais il n'a jamais ouvert. Il ne peut pas avoir le chèque. Donc, on vous a donné une grâce sur les conseils. Que Dieu vous bénisse. Et à vous assembler encore une fois, merci pour votre glorieuse présence, merveilleuse présence. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je suis là, 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 je su
Ah, 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 ah
baguette.